Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors toujours dans le cadre des séries d'exercices de la leçon d'épaule RC. Alors on va montrer maintenant l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant I de T. On commence toujours par la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire UC plus UR est égal à E. D'accord? Et d'après la loi d'Ohm, R fois I, UR est égal à R fois I, c'est égal à E. Alors pour simplifier, pour trouver la dérivée de I, alors on va dériver cette relation-là, bien cette équation. Alors on obtient DUC sur DT plus T de RI sur DT est égal à DE sur DT. Alors quand j'ouvre NR, c'est une constante troisième dérivée. Ou la dérivée de E, c'est une constante. Alors E, c'est une constante. La dérivée d'IA est égale à 0. C'est clair? Allez-y. Sinon, c'est un de la relation. Soulier DUC sur DT plus R TI sur DT. TI sur DT est égal à 0. Et on va multiplier fois C. Multiplier fois C. Alors C DUC sur DT plus RC TI sur DT est égal à 0. 0 fois C, c'est 0. D'accord? Alors, est-ce qu'on a fait ça? Qu'on a fait ça entre parenthèses. Un I, c'est oui. Il y a DQ sur DT. Un I, c'est oui. Il y a C fois UC. نعود كي هنايا الوغ ايش كتساوي هي سي دي يو سي سور دي تي الوغ شنو هي سي دي يو سي سور دي تي هي لانتونسيتي دو كورون اي الوغ اي شنو اللي تساوي عندي هي سي دي يو سي سور دي تي الوغ اي بلس ار سي دي اي سور دي تي اي تيغالا 0 اي فوالا ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي بار لانتونسيتي دو كورون qui traverse le circuit RC.